Nom d'une mouette à pigeon, si c'est pas mes petits moussaillons. Allez, venez avec moi sur mon navire, c'est le temps de cuisiner. Vous êtes prêts? C'est une recette spéciale aujourd'hui. Allez, c'est parti. Mes copains et mes copines disent que je suis tout le temps de bonne humeur. Alors c'est parce que chaque jour, moi, je cuisine la recette du bonheur. J'ignore si vous y avez goûté, mais moi, c'est mon plat préféré. Laissez-moi donc vous partager ma façon de le concocter. Versez d'abord dans un bol de grandes tasses de sourire les souvenirs dont on raffole et une pincée de fou rire. Puis dans une autre casserole, faites saisir un tas de plaisir pour éviter que ça colle. Remuer devrait suffire. À feu doux, faites revenir toute votre imagination. Si le désir se fait sentir, mettez une poignée de bonbons. N'oubliez pas de faire blanchir toutes les couleurs de la vie avec un soupçon de délire, puis mettre au goût tout plein de magie. Gratinez de liberté, garni de créativité, pendant que vous faites mijoter, prenez donc le temps de chanter. Allez, moussaillons! La 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 la. Oh, recouvrez de tas d'amour et mettre au four pendant une heure. Si vous le cuisinez chaque jour, votre maison sentira le bonheur. Moi, cette recette secrète, papa, maman me l'ont appris. Évidemment, je la respecte, même si je préfère celle de mamie. Oh, la recette du bonheur, tu peux la faire peu importe l'heure. Oh, et la recette du bonheur, bien sûr, je la connais par cœur. Une dernière fois, nous allons. La 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 la